Es-tu venu, roi de la fève? Je suis Laissez-les-moi là, ils sont bien. De ce point, je vous vois très bien, s'il n'a besoin qu'on le répète. Égypte, sonne la trompette, que tous les diables des séants ici viennent commandement. Or pas, ne pas les diables. Ah! Venez chanter un si l'été en votre horrible diablerie. Vous aurez belle chanterie tantôt, et un mot tête d'honneur. Satan, tu feras la teneur. Et je ferai la contre-sue. Belzébuth tira le dessus, avec Périche à haute double. Et Cerberus fera un trou. Faut-il faire tant d'agios? Commencez, mes petits diablos. Grignotez et craquez vos notes, et barbotez comme marmotte au vieux corbeau tout affamé. Vous méridixiez bien rimé. Et je fous coucher à l'avenant. Si, Belzébuth. Avant. Avant. Je pense que vous l'aurez belle. L'enterrement est par l'air. Oh!
Thank you.
terre, il haut firmament, je lui lancerai la nouvelle, la plus douce et la plus mauvaise.
si ma volonté vous déclare. Serait ainsi consentant que nous tenissions cette règle. La volonté se tient et règne à la vôtre. Mon cher époux, vous pouvez ordonner de vous et je dois être obéissante.
J'ai pu goûter ta foi.
The angels join in the rejoicing at the Annunciation of Christ's birth at the end of part one of Le Mystère de la Nativité by Franck Martin. Jean Fournet conducted soloists including Ellie Ameling as the Virgin Mary and Ernst Haefliger as the Angel Gabriel, with Jean Fournet conducting this recording, which was first broadcast on Netherlands Radio on Christmas Day in 1964. Part two begins with a return to hell, which is plunged into turmoil by the news. In heaven, God tells Gabriel and the other angels to go and share the glad tidings with the shepherds in the fields. And Mary is also attended by angels as she gives birth to Jesus. Des horribles légions, par milliers et par légions, venez entendre mon procès. Laissez la chaîne des crochets. Lucifer, roi des ennemis, vous hurlez comme un ami quand vous les jambes ouvrir. Ah, Satan. Des maris méchants, ils sont malheureux et méchants. Ma noblesse et ma grande beauté est tournée en difformité. Tours et subtils moyens, nous, habitants et citoyens de la région désolée, chartres de détresse appelée ou de mort, tout revient à un. Ensemble et de vouloir commun, trouvâmes manière d'être nature humaine à grand contraire. Quand par nos conseils mûs d'envie à tout cher doux fruit de vie, dont la génération toute descend en enfer. Mais je doute un point. Qu'aucun ne les délivre, ou qui que soit confort leur livre, pour notre puissance défaire. Délivrer, il ne se peut faire, ne doutez point de ce trépas. Car encore ne s'en vont-ils pas. Mais tous les jours, à grand morceau, il en arrive de d'aventure homme de vertu si parfaite que par l'idée d'être refaite à la transgression des humains, ils tiennent si bien la main qu'ils la fassent au mal incliné. Car si tellement puminé que par péché soit corrompu cet homme, son fait est rompu. Car quelque rançon qu'il assigne, rien n'y vaudra. Il est indigne à faire satisfaction. La longue protestation, je suis moi pour faire un coup de voix, enfin de visiteur. Puisque tu as des voix, autre courant il faut avoir. Même faut avoir le pouvoir, avoir la bénition aussi. De votre ordre de pâte accrochée, afin que
il s'adresse. On t'en va. Je t'ai l'adresse, je puis c'est des fiades menées, le grand dragon dont je tournais, me ramène tout à ton aise, à ton comme feu de fournaise.
Oh, mon Dieu, de moi,
fait bonne provision, il est temps que retournez-toi. Peut-être si trop attendions, Marie aurait nécessité. Oh, glorieuse Trinité, est-ce que je vois à cette heure aperçois un enfant qui pleure, tout nu sur la paille gisant, et la mère à genoux devant, l'adorant pactant révérence, comme la divine présence, devant qui indigne, voyant mystère dans vos teints, et mon Créateur souverain, Sauveur de notre humanité, gisant dans tes fragilités, que puis-je devant ce mystère, sinon de boire et à terre, et adorer le nouveau-né qui est très vif. Ave, fruit, très précieux, Ave,
si douce saison, pour pastoureau, la Dieu merci. Si les bergers sont de raison, il fait assez douce saison. Restine pour mes en maison, et fumar ce joyeux temps ici. Il fait assez douce saison, pour pastoureau, la Dieu merci. Les richesses et le souci, il n'est mieux si bien nourrir, vaillait à ne pas sourire. Ma joie qui s'évade, le tessis, vie de richesse et de souci. Thank you.
regarde toute personne, voici nouvelle de Coupris. Je vois somme tant épris que ne savons que de vos faire. Qui mon conseil voudra pas faire en Bethléem, nous savoyons, afin que ce sacre voyou que Dieu a fait par la naissance, dont il nous fait signifiance. Qui voudra me suivre le pas? Non de moi, je n'y saurai pas, j'y serai les premiers aussi. Nos brebis demeureront ici. Chacun dit ce qu'il vaudra. Partirons-nous quand on voudra, cheminons. Que Dieu nous conduise. Thank you.
m'appose à la présence de votre fils que tant aimé. Adieu, trésor de déité. The shepherds go to see the Christ child in the stable in Bethlehem. That was part two of Le Mystère de la Nativité by Franck Martin. Jean Fournet conducts the Netherlands Radio Choir and Philharmonic Orchestra in this 1964 recording, with the soprano Ellie Ameling as the Virgin Mary and the bass André Vassier as God the Father. Like all the soloists, he actually sings more than one role, and at the start of part three, he becomes Simeon the prophet, who tells of the revelation he's had of the coming of the Messiah. The wise men bring their gifts, and Satan ascends to earth, fearing that the child at Bethlehem may indeed be the prophesied saviour. Promise, de l'âme de mort.
subalterne force apprête, car je vois l'étoile qui reste une seconde du mobrir, puisque nous avons fait d'autrui de nos bêtes la cité. Je conclue par nécessité que le bon roi que nous cherchons en cette place trouverons. Regardez ici, ô Seigneur, l'humilité, la patience de la puissance, qui tant abondamment se rabaisse, que sa douce tendre jeunesse nous allait se soumettre.
Tutte giure e trasse, regardò moia e cotello, pur parvenir a me querello. Mais je ne puis trouver moia, à quoi je puisse gagner rien. Si mon programme a mousseré, de quoi me sert cette marie, qui ne sait quel fils Ordi, dont l'on fait telle solennité. L'enchantement m'est échappé, l'enfantement du tout caché. De la manière n'est rien su. J'ai grand doute d'être déçu. Et qu'il n'y ait qu'à exploiter quelque chose sur le marquis qui s'y après grotte me passe. Il n'y a moyen que je sache sinon de fuir à l'affaire. Moi, on s'ira du thank you.
premier-né. Il est dû à Dieu, sans doute, comme chacun le sait assez. Puis, Paris, or vous avancez, offrez votre enfance au petit, selon la forme qu'il a dit. De mon pouvoir vous aiderez. De mon vouloir m'accomplirez. À toi soit adoration, louange, vénération. Salvation, notre vraie rédemption. Sainte Vierge bénie, combien ce digne fruit profite à toi et à tous les humains. Thank you.
trophée.